Robinson Élisée, bonsoir. Bonsoir, Renaud Alexandre. Chers amis, bonsoir. On est aujourd'hui le 14e jour du 7e mois de l'an des grâces 2019. Eh bien, je vous dis à nous recevoir Yon Petro Challenger. Monsieur Pral, parlez-nous d'un dossier chaud. Donc, sans ne pas perdre du temps, Renaud Alexandre m'a présenté. Et auditoire, invitez-nous, je pense. Oui, donc, il semblait que ça avec nous, on a démarré en premier là, donc, on a présenté. Effectivement, amis auditeurs, nous recevons un citoyen, monsieur fait partie du regroupement des Petro Challenger. Monsieur passé la soirée pour venir parler avec nous sur un dossier et que tout haïtien gagne à cœur. N'a pas dit monsieur Fritzner Bijou, bonsoir et bienvenue sous antenne Radio Centre-Ville. Ronald Alexandre, Robinson Élisée, son plaisir, je vous dis, pour commencer avec nous là encore. Parce que hier, je me rappelle, j'étais là avec Loture, journaliste Loture, un gros journaliste, même si j'ai fait un exercice là, juste hier pour me faire un message. Et message là, j'ai fait extrême de vos messages là comme ça. Et parce que le travail à faire, son travail, je voulais que l'information ça allait vite pour nous connaître que bon gros pour population connaît que bon gros groupe en cap bataille pour eux qui c'est RPC regroupement Petro Challenger. Et m'a dit une fois encore, c'est un plaisir que on va parler ensemble avec nous pour nous connaître effectivement qui ça regroupement Ganja pour dire. Alors monsieur Bijou, avant que nous allions dans regroupement, donc nous t'a remé mon yo faire connaissance ensemble avec vous pour connaître qui est ce qu'il est. Parler public là qui attendait qui monde que vous. Qui est monsieur Bijou? Bon, moi-même, c'est Fritzner Bijou et je suis étudiant et finissant en sciences politiques. Et présentement, et bon, je suis évolué à Montréal, ça fait environ une dizaine d'années. Moi, je suis professionnel de la santé. Et nous travaillons avec également la Croix-Rouge canadienne division du Québec. Et nous toujours avons un certain attachement à pays. Nous, de temps en temps, nous en bas, et puis on connaît la diaspora à tout. Et nous avons connaissance d'un pile bagarre qui a passé, comment que jeunes nous avons évolué le Brésil, le Chili et la République Dominicaine. Et bon, pour nous aller plus loin, nous avons estimé que la situation globale du pays, peuple, nous avons estimé que nous avons monté le regroupement. Et